Donc, voici cette deuxième partie. Je vais vous dire ce dont vous avez besoin, mais je prépare un petit thé, ça va être long, hein. Alors, vous allez me dire, mais Audrey, pochette à thé, quand tu as fait pochette à thé à Pam, tu as dit, bois pas de thé, enfin, j'ai pas de thé. Parce qu'en fait, moi, thé à la menthe, c'est que pour le travail que je trimballe avec moi, des petits sachets. Et en fait, là, après, j'ai des boules et j'ai du thé que j'achète en boîte. Donc, en fait, c'est pour ça que je peux pas envoyer de thé non plus. Bon, bref. On s'en fiche, on a reperdu encore, je sais pas combien de temps. On y va. Donc j'ai pris le chabi. C'est du, ouais, je fais du chabi avec du steampunk. Le chabi, c'est du pastel. Certains, les plus puristes que d'autres, vous diront que c'est du rose, du rose, du blanc, tout ça. Moi, je vous dirais quand je regarde ce que Calice et Scrap fait. C'est quelqu'un qui fait du chabi, mais c'est du pur bijou. Elle peut nous faire du jaune, du bleu, dans les verts. L'important, c'est que ce soit pastel avec des touches de blanc. Donc, hein, feuille pastel, voilà. Nous avons ça et je vais la mettre à l'envers. Enfin, voilà. Je vais jouer là-dessus. Elle sera certainement retaillée. Donc, du feuillage. J'ai ça, qui est une espèce de branche. Qui peut très bien aller et qui peut faire un peu lierre qui monte. J'ai des roses tissus, des roses comme ça, paillettes, des roses blanches action. J'ai pris quelques bleus parce que des bleus, j'en ai pas beaucoup. Il semblait que non, je m'en suis pas sortie. Voilà. Et que le papier a quand même aussi des touches de bleu. Le papier que Marie-Claire m'avait envoyé était dans les roses et bleus. C'est ça d'ailleurs ce qui m'avait intéressé quand j'avais vu les papiers parce que je m'étais dit waouh. Alors, on y va. Déjà, je vais vous rapprocher par rapport à ce que je fais. Donc, concrètement, moi, je place déjà toujours des feuillages et les grosses fleurs, les gros éléments. Moi, c'est comme ça que je fais. Ah bah alors, attendez, il faut qu'il chauffe, lui. Alors, j'ai dansé avec les stars hein, derrière. Hein. Désolée, hein. C'est pas que... Voilà. Allez, donc... Moi, je place toujours grossièrement. Vous allez me dire, tu mets pas beaucoup de colle ou je mets à peu près. Je regarde où je veux placer la feuille, comment je veux la placer. Donc là, je veux qu'elle remonte quand même un petit peu sur les volets. Et je ne mets pas beaucoup de colle parce que je reglisse des fois des fleurs derrière, etc. Et donc, si je reglisse des fleurs, il me faut de l'espace. Là, on va mettre aussi donc un feuillage là, le plus foncé. Donc on le cache. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Et je crois que c'est celle-ci que j'avais voulu. Oui, c'est celle-ci. Et on va mettre une grosse rose en tissu. D'accord? Donc là, quand vous regardez, vous pouvez commencer déjà à vous dire, oh là, ça penche d'un côté, tout ça. Donc c'est là que les bouquets vont intervenir pour remettre dans l'autre sens. Ensuite, on a ça, je le mettrai après, c'est des petites feuilles, donc je me sers. J'ai pris donc beaucoup de rose et de blanc, hein, je vous dis, dans tout type de feuilles, même si au départ on fait plus des roses. Et là, vu que je viens de mettre une grosse rose, rose, cas de le dire, j'aimerais mettre, vous voyez, un autre élément, mais blanc. Et je les réteins, bien sûr. Là, j'ai laissé le feuillage. Parfois, je les démonte. Je ne sais pas si j'en ai une là. Ça, c'est des couronnes que j'achète chez Noz. Et vous voyez, c'est enfilé, la fleur, elle est enfilée. Donc en fait, vous pouvez enlever l'espèce de petite queue verte là et récupérer que le feuillage. Vous pouvez démonter la feuille, la fleur, étape par étape. Hein. Voilà. Avec à nouveau du feuillage. Là, du coup, j'aimerais que ce soit beaucoup plus petit et beaucoup plus fin. Ça, est-ce que dedans, il y a du métal ou pas? Parce que alors, le problème de ça, c'est que des fois... Oui, c'est du métal. La dernière fois, j'ai fait ça, je galérais, mais en fait, à l'intérieur, c'était pas du métal, c'était de la ficelle. Ça, je garde. Ça peut servir pour du branchage. Voilà. On va mettre la petite fleur. Donc, vous voyez, après, une fois que j'ai passé un gros élément, ce que je fais, c'est uniquement du remplissage des trous. Voilà. Donc, celle-là, la rose, et on va lui en mettre une blanche. Et après, on mettra une petite rose aussi. Hop! Là, enfin, je sais, parce que je vois qu'on débute un peu tous, ou enfin, on a tous des niveaux différents. Pour vraiment ceux qui débutent et qui se disent, mais ce genre, c'est beau, ce genre de bouquet, je me lance pas de fleurs, hein.
Et justement, c'est ce que j'allais en y venir, c'est que moi, j'ai appris énormément en regardant Marie Chalanova. Je reprends donc Marie Chalanova, pour le coup, désolé pour ceux qui connaissent. Marie Chalanova, avant d'ouvrir sa boutique F Déco, avait une chaîne de scrap. Bah, a toujours, hein, d'ailleurs, je crois qu'elle existe encore, la chaîne. Hein. Et donc, du coup, vous devez peut-être encore trouver quelques tutos, c'est ça que je veux vous dire par là. Et on la voyait faire ça devant nous. Monter tout bêtement des bouquets. J'avais sorti mes petites roses roses. Alors, ce qui est important d'avoir aussi, quand vous lancez dans ce genre de bouquet, c'est ça. C'est différents types de petites fleurs. Ça, j'ai dû avoir chez nous, hein, je vais être très honnête. Hein, Et pour, en fait, quand vous bouchez vos trous, etc. Voilà. L'idée, c'est... Donc, je vais déjà vous montrer une première partie. Mais, c'est quoi qui pend? C'est du fil! Voilà, vous voyez, les deux grosses fleurs sont mises et ensuite je n'ai fait qu'agrémenter avec des fleurs blanches et roses. Donc, par contre, je reste à ce que je vous ai dit qui était oui, mais j'aimerais quand même, pas sinon, on peut pas remettre ce feuillage-là. J'aimerais assez en plus, bon, vous me connaissez à l'heure du volume, hein, c'est-à-dire que les trucs à Nathalie vont être utilisés. Je veux aussi mettre, vous voyez, oh. C'est sa place, cherche pas des chipboards en bois comme ça rose que on a tous eu chez nous, enfin non pas on a tous eu, j'arrête avec ça, on n'a pas tous débuté en même temps etc parce que c'est des trucs qui datent hein. Donc c'est peut-être ça remonte peut-être quand même à 1 an que j'ai ça, surtout qu'après le chabi j'ai arrêté, enfin j'ai arrêté, c'est pas que j'ai arrêté, c'est que j'ai découvert d'autres trucs, j'ai voulu faire d'autres trucs et j'aimerais bien que tu coules. Et que le chabi, je vous dis. Là, pour avoir étalé toutes mes fleurs devant moi, les différents types de fleurs, etc. J'ai compris très rapidement pourquoi je ne le faisais plus. Parce que ça demande un déballage, quelque chose d'inouï, quoi. J'ai pas mis assez de colle chaude pour que cette rose en bois apparaisse. Alors, non, mais je crois qu'il est encore mort, lui. De toute façon, je le savais, je l'avais dit. J'avais dit, je préparais de la colle parce que. Il y a peut-être d'autres colles plus résistantes, plus trucs, plus bidules, mais moi, c'est celle-là, soyons honnêtes, qui pour moi, quand je fais mes bouquets, fonctionne le mieux. Donc voilà. Et là, on a une qui sort en bois. Ensuite, j'ai pas dit non plus dans tout ce que j'ai préparé. Des fleurs en résine action qu'on a toutes comme ça aussi. Toutes. Je sais pas toutes, mais on a. En général, on les a. Et voilà. Moi, ce que j'aime dans ces bouquets-là, pareil, je pense que sans m'avoir vu faire du chabi, vous savez tous qu'il faut que je mélange les matières, les trucs, les bidules. Donc là, on est rebelote dans ce que j'adore faire. Hein. Je te mets du bois, du plastique, de la résine, voilà. Alors, là, cette fleur qui ne tient pas bien comme ça ne me plaît guère. Ce que je veux quand même, voilà, qu'elle soit maintenue. Donc là, on en a une qui sort en bois, là, on a la petite rose là. Après, c'est pas fini. Hein. Dites-vous bien qu'après, il va falloir... Mais c'est violet ou c'est rose, ça? Non, c'est rose, c'est parce que c'est pas le même rose. Voilà. On n'est qu'au début, parce que je veux qu'il y en ait là sur le bas. Ou en tout cas, même si là j'en replace qu'une grosse, que ça remonte comme ça sur le côté là. D'accord? Alors, ensuite, justement, qu'est-ce qu'on va mettre? J'aimerais une blanche. Qui n'est pas que des grosses. Voilà. Alors, on recommence, on coupe, on la met. Vous avez compris le concept. On met d'abord la grosse. Et ensuite, on. Et ensuite, en fait, on agrémente la grosse fleur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. C'est intéressant, mais il a failli sortir, lui. Ça y est, va falloir que je l'aide à... Ah non. Aïe, amorcé. C'est amorcé. Voilà. Donc,
Ce que j'aimerais aussi, c'est, parce que rien ne m'arrête du coup, c'est mettre un petit oiseau, Bratz, parce que je les ai, que je les trouve très beaux et que dans l'album, il y a des petits oiseaux. J'aimerais aussi varier les feuillages, donc il va falloir remettre quelques fleurs, quelques feuillages. Ah, Gerita. Quelques feuillages aussi là, par exemple, en dessous. Alors, c'est pareil, là je vous dis, c'est vous qui avez l'œil, c'est vous qui montez et c'est vous qui voulez. Moi j'aime bien, encore une fois, qu'il y ait différents feuillages, que voilà, qu'on voit la recherche. J'aime pas qu'il y ait des trous, peut-être que chez certains, les trous ne sont pas gênants. Voilà quoi, hein, c'est pas. Pour moi, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle et le chabi, mine de rien. Je pense que ça en apprend, enfin, ça en dit quand même pas mal sur la personne qui en fait. Parce que c'est sa manière à elle d'harmoniser et de voir les choses, en fait. De mettre en scène les choses. J'avais que pris que celle-là, là, parce que c'est. Oh, mais ça, c'est une grosse marguerite rose. Non, ça n'a rien à faire là-dedans. Je veux que des roses. Donc, et une rose. Donc, tissu. Ça, c'est des roses. Je me souviens parfaitement où je les ai eues. Donc, ça, au moins, je peux vous répondre. Enfin, vous m'avez pas posé la question, vous direz, mais c'est pas grave. C'est les trucs genre jour de fête. Enfin, nous, chez nous, c'est un jour de fête, mais je sais pas, moi, les foires fouilles, les machins. Les trucs au moment des mariages. C'est là où, si vous aimez les fleurs, mariage, baptême, bon, ben, hein. Aussi Halloween, je vous le dis pas, hein, je vous le cache pas. Fête des morts, c'est pas tant Halloween. Hein. Si vous voulez du bouquet, de la feuille, du truc, du machin. C'est un moment où il faut aller aussi. Nous, on a chez nous, parce que c'est une marque, enfin, c'est un magasin dont j'entends pas beaucoup parler chez les scrapeuses. Donc, tiens, allons-y. Hein, maintenant, il va avoir du mal à couper, lui, il a coupé du gros scotch. Nous, on a des incroyables aussi. Et donc là, c'est le moment, entre guillemets, où y aller. Période du 1er novembre. Parce que vous avez, ils ressortent, entre guillemets, les bouquets, excusez-moi du peu, du cimetière. Pour les cimetières, non, elle me plaît pas, elle est encore trop grosse et j'en ai pas de petite. Si j'en ai une, mais elle est vraiment toute moche. Elle a pas les couleurs, c'est ce que je reproche à ces feuilles-là d'Action. Ils nous ont vendu ça avec les roses et tout, mais pour le coup, et là, si je le mets comme ça, oui, donc après, on remettra quelque chose dessus. Hop. Donc, vous voyez, en ne collant jamais mes fleurs, je peux passer les éléments. Ah, mais il me cramait les doigts, forcément. Je peux passer les éléments en dessous. Voilà, la fleur, je l'avais collée, mais que, entre guillemets, au cul, excusez-moi du peu, au cul, au milieu de la rose. Et là, j'ai pu placer une fleur, une feuille en dessous. Alors, ensuite, on continue, on y va, c'est la fête. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme élément? Alors j'avais des petites roses à Chanel aussi. Donc ça, on a dit les marguerites, là on n'en veut pas. Vous voyez, j'ai aussi ce genre de petites perles. Voilà. Donc je sais bien, chabi, c'est petit, moins brillant. Normalement, c'est plus. Vous avez les roses Action là. Ont été vendues en bande à une époque. Que j'ai acheté, hein, c'est pas le problème. Mais bon, là, je sais pas ce que je veux. Pas ce que je veux dans cette création là, donc comme c'est pas ce que je veux, ben, je mets pas. Hein. Ouais, bravo Audrey, très intéressant ce que tu viens de nous faire comme phrase. Là, qu'est-ce qu'il me faudrait pour moi? Il m'en faudrait une rose, hein. Non, tant pis, hein, il me faut celle-ci. Celle-là, ce que j'aimais en fait, c'est qu'elles avaient des petits pistils à l'intérieur. Je ne sais pas du tout, j'ai vu ça. Je crois que c'est Action quand même. Ah, pas bien de faire ce que je viens de faire. Comment flinguer un ciseau? Une pince, il y a une pince, voyons, ben oui, je l'ai, hein. Je vous l'ai montré, mais comme on s'étale dans tous les sens, bien ce que je vous disais, le genre de truc quand on s'y met, voilà. Alors, on continue. Est-ce que je ne mettrais pas une petite rose en bois là, comme ça, aussi? Oh là là, là par contre, il va me manquer du feuillage, alors je vais remettre du feuillage. Hop, donc là, j'en mets des deux côtés parce que je vais la mettre en quinconce. Elle va pas. Voilà, vous voyez, elle va être debout sur rien. D'ailleurs, faut que. Eh, oh, punaise de fil de colle, de crotte de bique.
Anso, si tu passes par là. Je sais que tu adores mon crotte de bec. T'es beaucoup fait rire. C'est parce qu'au boulot, j'évite de dire les gros mots. Il peut m'arriver qu'il m'en échappe, hein, je suis un être humain. Mais donc, du coup, j'ai plein de contournements pour ne pas dire de gros mots et je ne me rends même plus compte, en fait. C'est Anso qui m'a dit, mais ça se dit encore crotte de bec ou tu m'as fait rire avec ton crotte de bec. Mais voilà. C'est quelque chose que j'utilise. C'est comme, je pense, vous entendez, les maîtresses. Je ne travaille pas dans l'éducation nationale, hein, mais ça fait genre partie de, voilà, les gros mots, bah, ça se dit pas. Enfin, et donc, du coup, on apprend à détourner notre vocabulaire et à ne pas en dire. Très énervée, je peux en dire. Hein. C'est bien ce que je vous dis. Je suis pas un être parfait non plus. Hein. Loin de là. Alors, mais. Ah, crotte de bec! Nous y voilà. Donc là, vous jouez avec. Avec finesse. Il est où mon picot? Il y a un tel bazar à cause du. Bon, bah, le picot, je crois, oui. Ouais, bah, tant que j'ai trouvé, à mon avis, il y a eu le temps de. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Là, on a là, je voulais mettre des petites fleurs à Nathalie. Donc, vous voyez, vous pouvez les couper. Enfin, non, mais tout le monde n'a pas des fleurs à Nathalie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez couper et les fleurs de Nathalie. Oui, Stéphanie. Pardon. Voilà. Vous pouvez après réagencer. Et de ce qui se trouve là en bordure, on va le retrouver aussi. Là, en quinconce. Après, pourquoi, comment je le fais? Je suis en train de parler avec vous, je ne sais pas. J'ai juste fait ce qui me faisait plaisir, ce qui me faisait envie, quelles fleurs j'avais envie de mettre là. Bon, alors, elles sont où les petites? Voilà. Et j'aime bien toujours clôturer, vous voyez, par, ouais, par les petites. J'en ai des blanches, des petites, non? Bon, je dois avoir des vertes et des bleus. Ah, j'ai des bleus? Non, j'ai pas de bleus. Sinon, je vous aurais déjà sorti. Cherchez pas. Alors. Et toujours agrémenter une grosse fleur. Moi, personnellement, mon conseil, il est là. C'est comme ça que j'arrive à faire de plus jolis bouquets. En agrémentant les grosses fleurs. Là, la petite rose, elle est là. Là, vous voyez, par exemple. Ah, crotte, file. Oh, moi, je trouve ça magnifique. Oh, ça me manque le chabi. pardon. Il manque un truc là. Attends. Parce que oui, par rapport à. Là, vous voyez. Et là. Il manque un truc là. Je ne sais pas encore quoi. Quoi réfléchir. Hein, parce que c'est là que ben, ça peut vous prendre des heures à faire. Hein, parce que. Oh, ben, hé, je suis clochette. Je ne suis cloche. Mon bras de oiseau. Par contre, bon, alors les tiges là, me servent à rien. Je pourrais les aplatir. Mais. Bah alors, ces petits pains, ils commencent à mourir. Bah alors. Bah, ma mère. Faut dire que je m'en fais couper à elle. Hein. Quand vous scrapez, faut hésiter à avoir des outils. Parce que ça, c'est plus de l'outil que du. Que du truc, voilà quoi. C'est-à-dire du truc que vous pouvez avoir à bricot, quoi. Et là, je vais mettre mon petit oiseau. Mon petit oiseau. Pris à voler. Appris à la volette. Appris à la volette. Appris à voler. Et pour ceux qui suivent Kaamelott, donc moi je suis fan particulièrement. Voilà. Petite pensée pour les fans de Kaamelott, vous comprendrez. C'est une scène cultissime où Arthur se met à chanter avec Guenièvre. Et pour une fois que lui et Guenièvre arrivent à être d'accord sur un truc. Voilà. Un petit oiseau sur un oranger. Ça y est, c'est parti. C'est pour moi. Ça y est, je me suis la collée toute seule dans le crâne. Et là, bien sûr, encore une fois, si vous êtes fan, vous rigolez. Parce que vous savez qu'Arthur pique un scandale parce qu'il en a marre et qu'il a ça dans la tête. Alors ensuite nous avons. Oui, c'est pas fini. Le chabi, ça vous plaise. Enfin, pour moi. Hein? Pour moi, plus vous en fichez, plus c'est chabi.
Oh, 20 minutes, mon Dieu. Voilà. Super joli. Belle gamme. De toute façon, mais voilà, je vais vous dire, même si vous aimez pas, moi je trouve ça trop joli. Et alors maintenant, j'ai ces petites fleurs que donc Chanel m'avait faites, faisaient partie du lot, que je vais aussi remettre dedans. Par contre, du coup, on n'aurait plus après. Oui, bon, ben, on peut pas tout avoir dans la vie. Que je retrouve leur place. Parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup de roses. Non, c'est pas celle-là, elle a pas sa place là. Ouais, voilà. Et vous pouvez superposer les trucs. Là, par exemple, c'est la toute petite, toute petite, toute petite là. Je vais la poser sur la fleur perle que j'ai mise. D'ailleurs, ça, j'en ai sorti plusieurs. Enfin, peut-être que j'en remette quand même, je sais pas où. Je vais voir. Hop. Mais là, j'en mettrais bien une comme ça. Hein. Attends, eh bien, elle est où l'autre? Ah oui, alors, le problème, c'est que celle-là, elle a été coupée du coup. Attends. Faut que je la retaille parce qu'elle a été coupée vu qu'elle était en bande. Alors. Là? Non, pas là. Non, pas là. Non. Non. Ah, j'aime bien quand ça commence à me stresser. Quand il y a trop de noms, à un moment donné, c'est qu'aussi, peut-être, il faut arrêter. Vous voyez? Vous placez les choses, vous dites oui, non, non. Si vous dites trop non, c'est raté. Enfin, c'est raté. C'est qu'il faut arrêter, c'est qu'il n'y a plus la place pour. Ça, je rajouterais bien une fleur sur la... sur la moulure de la fenêtre. Non. J'ai... Oui. Non. Audrey, décide-toi. Voilà. J'ai un grand, une petite fleur de Chanel. Oui, fleur de Chanel. Vous savez, la psychopathe qui a peur de se tromper. De A et de 2. Voilà. Et là, j'aimerais remettre quand même quelques feuillages. Oh, je vous assure, c'est magnifique. Et c'est pas fini. Hein. Donc, ouais, peut-être, non. Non, 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 ça suffit. Ça suffit, là. Là ça suffit. Voilà, bon. Je vous montre là. C'est pas fini. D'accord? Ça fait partie de la deuxième étape. Voilà comment le bouquet a été monté. Là, j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose, quand même. Mais je sais pas quoi. Non. 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 Une rose blanche. Attends. Donc encore une fois, ouais, vous voyez, vous prenez, vous coupez, vous dites oui, non. Tant que c'est pas satisfaisant de toute façon. Enfin, puis moi personnellement, tant que je suis pas satisfaite, c'est mort. Hein. Je peux tourner 3000 ans, vous dire, j'étais pas, je comprends pas, c'est pas fini. Enfin, tant que je me dis pas, ça y est, là. Voilà, bon, bah, par exemple, celle-là, elle va parfaitement là. Voilà. Oh. J'aime beaucoup, hein. C'est très chouille. Bon, on arrête là pour là. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus si je vais vous le montrer, mais à chaque fois, m'arrête en route. Voilà. Vous avez, c'est bien ce que je vous dis. Partie à chaque fois de deux grosses fleurs. Et autour. Je remets autour. Ce n'est pas fini. C'est fini pour la partie fleurs. D'accord? Maintenant, je coupe et on va faire une troisième partie où il y a des perles. Parce que là, ça, oui, c'est chabi sur l'idée. Ça n'est absolument pas niveau perles. Et perles, là, j'ai des cœurs comme ça. Attends, enfin, c'est pas des cœurs. J'ai besoin des cœurs de fleurs, mais du pistil. Enfin, vous voyez, va falloir encore... là, il manque des pistils, par exemple. Vous voyez? Donc, je fais une troisième vidéo où je mets les brillants et les perles. Et sur l'idée, on est bon. À tout de suite, bisous.